Allez, salut tout le monde, ici Replay4You, on se retrouve pour le 32e épisode de mon Let's Play sur le jeu XCOM. Dans l'épisode précédent, on a pas mal avancé dans la base à tâtons, hein. C'était vraiment délicat. Mais regardez, je vous montre voilà tout ce que j'ai exploré déjà. Donc je pense que j'ai exploré plus de la moitié de la base. On est en face, je pense, de tous nouveaux aliens qui vont se présenter sûrement dans ce couloir-là. Pour ce faire, j'ai regroupé toute mon escouade ici, elle se déplace en groupe, comme ça personne n'abandonne personne. Et puis pour l'instant, je dois avouer que ça se passe plutôt bien, pourvu que ça dure. On va évidemment, hop, continuer l'exploration. Alors il y a un truc qui m'embête un peu avec Brian, c'est que... il a plus beaucoup de munitions, je serais peut-être tenté de refaire un... On va recharger. On peut y aller. Voilà, on va recharger parce qu'on sait jamais. On sait jamais sur quelle bestiole on va tomber. Et j'ai vraiment envie de réussir cette mission avec aucune perte. Donc on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc là j'avance, je vais être obligé de descendre. Mathieu, ce serait bien que tu te déploies jusqu'ici. Hop. Ne fais pas de contact hein, s'il te plaît, parce que je suis pas en mesure contact de... Contact ennemi confirmé. Oh c'est pas vrai, il a fait un contact. J'étais pas en mesure de riposter. Shoot-le. Bien joué, 8 points de vie déjà en moins. Nickel. Nickel, nickel. Qui est-ce qu'on a? Toi aussi tu ripostes? Bien. Ah tu l'as loupé, c'est dommage. Le tir n'a pas fait mouche. J'ai plus rien. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je vois. J'espérais avoir tort, mais les extraterrestres font bel et bien des expériences sur leurs victimes. Ça ne fait plus aucun doute. Qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir? Ok, on est d'accord. Donc là, j'ai bien fait de positionner Yopman ici parce qu'il est, top. Il y a effectivement des êtres humains dans des trucs. Aïe. Il n'y a pas de leader. 100% et 100%. Ça, c'est bon. Ça fait plaisir quand tu vois un 100% apparaître. Ah, j'aurais dû recharger son arme. C'est pas vrai d'être aussi bête. Allez, fais-moi un tir en pleine tête. 100%. C'est bon, ça. Yes! Ouais! J'ai besoin de munitions. Ah c'est dommage, il a plus de munitions mon petit Hopman. Ça c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu re-shooter lui là. Ah Hopman, je suis désolé. Bon, on y va. Ah je peux plus bouger mes autres. D'accord, il reste plus que eux. Bon, s'il reste plus que eux alors alors méfiance. Ah, t'en vois un. 50%, c'est pas mal 50%. Est-ce que tu... Ah, j'ai pas envie de balancer ma grenade parce que là... Non, faut pas que je balance ma grenade. 50%, ce serait pas mal. Ou alors, je balance un fumigène sur nous. Ça fait quoi? Les unités des fumigènes sont plus difficiles à toucher. Si je balance un fumigène sur nous, on pourra peut-être plus esquiver, mais en même temps, 50%, c'est pas mal. Allez, shoot-le, 50%. J'hésitais entre le fumigène et 50%, mais là... Yes, tu me fais pas regretter mon choix. C'est parfait. Bon, ça va être à eux de jouer, donc on se méfie. Qu'est-ce que tu fais? Il arrive. Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là, il a pas eu assez d'unités de mouvement pour faire ce qu'il voulait faire, mais... C'est chaud les marrons. Il motive, il encourage. Tu vas voir ce que je vais encourager. Donc, Yopman, est-ce qu'il te reste un tir? Plus de munitions, il faut que je recharge. Ça, toi, on peut dire que tu peux jouer au loto, l'alien. On peut dire que tu peux jouer au loto, parce que si j'avais rechargé avant, tu te serais pris un 100% en pleine tête et t'étais mort. Mais toi, vraiment, va jouer au loto tout de suite. Prêt pour la baston. Ça, c'est pas vrai, quoi. Bon, vous vous en doutez bien, il faut que l'on sauve notre Mathieu, qui est dans une situation vraiment, vraiment critique, pour le coup. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu t'écartes. Voilà, pour qu'on puisse le shooter. Et que maintenant tu le shootes, s'il te plaît. Allez, tue-le. 6 points de vie, il en reste 1, c'est bon, ça devrait le faire. Je suis à sec. T'inquiète pas, ça va le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Je veux rentrer chez moi! C'est bon, panique pas, on s'en occupe. Oh là là, c'est ça les petits nouveaux. Donc, on a qui? Toi t'envoies 2, autant que tu gardes tes munitions pour l'autre, 69. Toi t'envoies 80%, tu vois que lui. Bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Shoot-le. Et voilà. Il est mort, je confirme. Ah.
J'aurais peut-être pu le capturer. Ah, j'aurais peut-être pu le capturer. Ah, Berserker, je l'avais déjà capturé. Ça, c'est quoi, ça, par contre? On peut pas voir ce que c'est? Ouais. Toi, t'as de la chance. T'as de la chance parce que j'ai un tir de roquette ici qui pourrait t'arriver en pleine poire, mais que je ne peux pas faire parce que j'ai pas envie de détruire les trucs. Mais tu t'en sors vraiment bien. Là, je peux te dire que tu t'en sors bien. Bon. On va se cacher parce que de toute façon, il y a Yopman au prochain tour qui va se faire plaisir. Donc, ah, tu le vois, 37%. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que tu le vois. Donc du coup, je suis pas fan. Je suis désolé de ce mouvement totalement stupide. Toi, tu le vois, 37%, c'est pareil, c'est pas énorme. Je préfère que tu te caches parce qu'on a Yopman qui est juste là, il va l'avoir de toute façon. Donc, quel est l'intérêt pour moi de prendre le risque? Voilà, ici, personne te voit, c'est parfait. Ah, t'as plus de munitions, je suis désolé, j'ai mal joué. Prêt pour la baston. J'ai vraiment mal joué. Toi, tu restes en vigilance, hein. S'il sort, tu le shootes. Voilà. Allez, Yopman, tu vas le shooter, tu vas bien nous faire un tir réflexe. Ils essaient de se replier. Yopman. C'est qui? C'est Brian? Allez, Brian, vas-y, shoot. Shoot. Super, Brian. C'est plus une menace. D'où vient ce bruit? T'as Mathieu, t'es vraiment une lopette. Bon, ça traîne encore. Alors, je suis un peu embêté parce que Yopman... Ouais, si t'as... On va encore te laisser là. On va te laisser là. Ça traîne, les gars. Ça traîne. Donc, on va descendre. On va évidemment aller par là. Tout doucement, mais sûrement. Yes. Hugo. On va voir ce qu'on te fait. Donc, Brian, tu vas descendre. Ok, parfait, tu restes là. T'as pas beaucoup de munitions, Brian. Essaye de recharger. Prête pour la baston. Toi, c'est pareil, on va essayer de recharger tout simplement avant de... En avant le massacre. Avant de se déplacer. Hugo, par contre, tu peux y aller, Hugo. Vas-y. Tu te mets là, tu restes là. Si ça bouge, tu shootes. Merci. Et lui, Mathieu, est toujours en panique, là. Putain, sans déconner, c'est quoi ça? Mathieu! Ouvrez le feu! Oh purée, il y en a encore plein, on shoot. Tir de riposte. Yes, Yopman. Vous avez tous loupé? J'ajuste ma visée! Yes, c'est bon ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois faire? Yopman, allez, s'il te plaît, Yopman. 100%. Bah tu sais quoi, tu vas avoir le Berserker si possible. Yes. Allez, shoot. Oh putain, tu as fait perdre que 3 points de vie. Non, c'est ridicule, 3 points de vie, je suis désolé, mais là... Yopman, ah Yopman, tu peux encore envoyer un 100%. Ce serait bien. Ce serait très très bien. Allez, retourne-y. Putain, il reste encore 2 points de vie, il est increvable ce truc. C'est pas vrai, vraiment crevable cette bestiole. Bon, next. Hugo. Alors ça m'embête un peu. Ça m'embête parce que j'ai peur que tu te fasses shooter au prochain tour. Quoi. Brian, bon, vous tous là, vous êtes vraiment à portée et ça c'est pas bon. On peut pas balancer un coup de bazooka parce que si on balance un coup de bazooka, on va détruire ça. Et ça, à mon avis, il faut que je le rapporte à la base. Donc je peux pas me permettre de balancer un coup de bazooka. Par contre, clairement, il faudrait se cacher, quoi. Attendez, je suis pas du tout convaincu de mon attaque. Tiens, Mathieu, te revoilà. Tiens, voyons que ça fait plaisir. 75. Eh, Mathieu, si t'arrives à le buter, t'as plus de munitions. Bah, tu sers vraiment à rien. Non mais je suis désolé de te le dire, mais c'est pas possible. On y va. Hugo. Ah Hugo, putain Hugo. Hugo,
Hugo, s'il te plaît, je te jure que ça sauverait Brian. Merci, Hugo. Merci. Bon, Brian, du coup, il faut que tu bouges. Tu l'auras compris, Brian, il faut que tu bouges. Là, tu vas être à portée de tir, c'est pas bon. On va plutôt te mettre là-haut. Yes. Voilà, ici, tu vois plus personne. Personne te voit, c'est parfait. Darkcraft, évidemment, Darkcraft t'envoie 34%. Tu vas faire 2 tirs successifs sur la même cible, s'il te plaît. Ok. Non mais 2 sur 2, c'est pas possible de louper 2 sur 2. Non mais sans déconner, c'est pas possible. Tu peux pas me faire ça, quoi. Toi, par contre, il faut que tu te barres. Tu te barres parce que t'es complètement à portée, là, et c'est pas bon. Merci. Bon, on va se faire tirer dessus, hein, c'est évident, puisque de toute façon, on n'a pas réussi à les shooter. On vient de perdre un gars. Oh, putain. Au secours! Au secours! Quelqu'un! Mais pourquoi tu les tires dessus? Mais Mathieu! Mathieu, t'es éliminé de toutes mes missions. Je suis désolé, mais là c'est plus possible. Allez, Brian. Oh putain. Merde! Ah oui, l'ennemi respire encore. Tu peux le dire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, tire pas sur Yopman, s'il te plaît. Tire pas sur Yopman. Oh putain, j'ai perdu Yopman. Au secours! Quelqu'un! Hop. Putain, j'ai perdu Yopman. Oh, ils ont fait un massacre. Oh la vache, ils ont fait un massacre. Oh, pas Yopman, quoi. Pas Yopman. Pourquoi t'as pas évité les coups, Yopman, là? Oh, Yopman. Oh, putain, Yopman. Bon, toi, l'handicapé des genoux, là-haut, Mathieu, t'es exclu de mon escouade, je veux dire. Non seulement tu passes ton temps à paniquer, mais en plus tu tires sur tes collègues. Pour moi, c'est éliminatoire, quoi, je veux dire. Dès que tu retrouves tes esprits, de toute façon, je t'envoie au casse-pipe, toi, je t'envoie devant, parce que c'est pas possible. Ça, c'est un massacre, Yopman, je suis dégoûté parce que je trouve que les aliens, ils ont une capacité à tirer sur mes hommes assez hallucinante, alors que moi, quand je suis à un mètre, je loupe tout, quoi. Yopman, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon. On sait qu'il se cache ici. Je vais pas tirer un coup de bazooka parce que sinon... sinon c'est catastrophique, mais... Ok. 85%. Bon, Brian. Inutile de te dire qu'on n'a pas le choix. Yes! Je m'en suis occupé. Donc Brian, tu es le seul survivant de la Dream Team, en fait. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Brian, le seul survivant de la Dream Team. Pas facile. Ça, vraiment, c'est pas facile. Bon, on a retrouvé Mathieu ou pas, là? On t'a retrouvé, Mathieu. Mathieu, bah, je te fais passer devant. Je suis désolé, mais là, je veux pas de gens comme toi, moi. Ça m'intéresse pas, quoi. Les gens qui paniquent à la moindre occasion et qui tirent sur leurs collègues. Non, quoi. Non, clairement non, quoi. Donc, on va rester là parce que je pense qu'ici, j'ai une bonne visée. Ah là là, Yopman, quoi. Putain, Yopman. On reste en vigilance. On a perdu 2 hommes en l'espace d'un tour. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, quoi. D'où vient ce bruit? On va le savoir. T'inquiète pas, on va le savoir. On va envoyer notre Mathieu devant. Pauvre Mathieu. Allez, va voir un peu si tu vois quelque chose. Tu vois rien? Bon, bah du coup, on va pouvoir rapprocher Brian. Hop. Brian, tu peux pas recharger, Brian? Là, je te demande de recharger. Je suis de retour. Ouais, c'est pareil, quoi. Il faut recharger, là. Paré. Et toi, il te faut soigner, toi. Il faut te soigner, quoique... Oh, si, je préfère te soigner. On va te soigner. Hop, voilà. Voilà, je t'ai remis plein de vie parce que... C'était délicat. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Ok, on continue. Mathieu, tu vas passer devant.
Bon, je sais pas ce qu'il y a dans cette salle, mais là, ça sent pas bon. Contact ou pas? Pas de contact, toujours pas? Eh ben, dis donc. Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, tiens? Ça ressemble à quoi, un peu, la situation? Là, y a rien, on est d'accord, y a rien. Donc, en fait, il faut que je descende, ok. On n'a plus le choix, il faut aller ici. Je sais pas ce qui se passe ici, mais il y a quelque chose. De toute façon, il n'y a plus rien à droite. Donc, il n'y a plus rien ici, maintenant, ça se passe en face. On est d'accord. On est d'accord. Pas beaucoup d'unités. Hop, on va te mettre là. Yes, c'est bon ça. Et Jaguar, c'est pareil. Il faudrait que tu ramènes ton gras là. Voilà, ramène-toi là. Rattrape un peu ton retard. Je suis dégoûté pour Yopman. Il m'a dégoûté quoi. J'ai perdu mes deux snipers. Du coup, j'ai plus de snipers dans mon équipe. Parce que j'ai perdu Kuran aussi. Oh là 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 là. Chut, j'ai entendu des bruits. Ouais. C'est bon. Oh là 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 là, j'ai plus de sniper. Bon. Mathieu, il va falloir qu'il y aille. Tu vas avancer tout doucement, tu vas voir ce qui se passe un peu là-dedans, s'il te plaît, merci. Et voilà. Oh putain, il y a trois Goliaths au corps à corps. Oh là là, il y a trois Goliaths au corps à corps. Oh putain, il y a trois Goliaths au corps à corps. Donc toi, avec ton arme, t'as aucune chance de le tuer. Mais 0% de chance de le tuer. Oh, il y en a un juste là, j'avais pas fait gaffe. Oh purée. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se replier. Non, il faut se replier. Permet de tirer après. Je vais porter le coup de grâce. On va se replier parce que là, au corps à corps, les Goliaths, j'arrive pas à les one shot, donc j'ai même plus mon sniper. Oh là 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 là. Plus Brian, pourquoi je peux pas te bouger, Brian? J'ai pas l'impression d'avoir fait mon tour, quoi. Oh putain. C'est tellement craignos là. T'en vois un? 37%. Yes, tu l'as eu, 5 points, super. Super ce que t'as fait, mec. Ok, et toi, bah toi, Mathieu, il faut que tu bouges. Mathieu, t'es un homme mort si tu bouges pas, je te le dis tout de suite. En plus, t'as la capacité d'un sprint d'une huître. Oh, c'est pas vrai, quoi, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire de toi, quoi? Mais tu vas te faire éclater, Mathieu, je suis désolé de te le dire, mais là, je vois même pas comment tu peux t'en sortir, quoi. Ah, je peux pas le faire sprinter plus loin que ça. Ici, c'est hors de question de te mettre là, puisqu'il y a, un Goliath. Peut-être te mettre derrière Brian, et croiser les doigts pour que ça se passe. Parce que de toute façon, t'as une arme laser toute pourrie, t'arriveras pas à le one-shot. Donc ça sert à rien, on se replie. On se replie, on croise les doigts, mais là, ça pue. Oh, ça pue. Tape pas Brian, s'il te plaît. Pas Brian, non. Non. C'est bon, Brian, il a encaissé, il a une bonne armure. Oh là là, il a plus de points de vie, Brian. Il a... Non. Je suis sous le feu ennemi. Oh purée, Brian, t'as eu chaud. Bon, Brian, t'as plus que 4 points de vie. T'as pris très très cher. Il faut que je te fasse partir. Il faut que je te fasse partir très très loin. Ou alors tu balances un tir de roquette dans le tas, tu te sacrifies, non c'est stupide. On va se faire éclater. On va se faire éclater, il n'y a pas d'autre... Oh là là, puis je rate tout quoi. Mon arme est vide. Négatif. Je peux plus tirer. Bon, ça va pas. Brian, il faut que tu te barres. T'arriveras pas à le tuer. Il faut que tu te barres, s'il te plaît. Voilà, barre-toi. Très très loin, s'il te plaît. Voilà. T'as
plus de points de vie en plus, Brian, quoi. Sérieux, c'est critique de chez critique. T'en vois un? 34%. S'il te plaît, au moins un des deux, quoi. Yes! Disqualifié. Super. Super. Et toi, t'as plus qu'à bouger ton gras, parce que tu vas te faire éclater la tronche, mais bien comme il faut. Donc tu te barres d'ici, mais bien bien loin, quoi. Allez, barre-toi. T'arriveras pas à le tuer, de toute façon, ton arme est pas assez puissante. Donc tu te barres. Yes. Qu'est-ce que tu fais? 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 Bouge, 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 bouge. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oi, 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 oi. Il faut qu'on le bute, lui. Super. Deux tirs successifs sur la même cible, il faut que tu le butes. Yes. Tu l'as loupé. Oh, j'y crois pas que tu l'aies loupé. Mais non, mais c'est pas possible de l'avoir loupé. Au secours ! Quelqu'un ! J'en reviens pas que tu l'aies loupé, quoi. Non, mais alors là, vraiment, c'est plus possible, quoi. 78%. Et si je te mets au corps à corps, ça te fait combien de pourcents? 100%? 84? Allez, shoot-le. Cette arme n'a plus de munitions. Oh my god. On est dans la merde, les gars. Brian. 77%, Brian, c'est toi. C'est toi qui peux nous sauver, Brian. Y'a que toi. Yes! Eh ben, dis donc, mes amis. C'était vraiment chaud. T'as plus beaucoup de points de vie, Brian, ça m'agace que t'aies plus de points de vie. Toi, il faut que tu recharges. On repart à l'attaque. Yes, on y retourne, exact. Super. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est bon. Ok, c'est bon. Panique pas. C'est dommage que j'ai pas la trousse de secours, parce que là, personne n'a de trousse de secours, elles ont toutes été utilisées. Elles ont toutes été utilisées. Bon, il faut qu'on y retourne. Tu vas réouvrir le bal, mon petit Mathieu. On sait qu'il y a un alien qui... Oh, punaise. Oh, t'as pris cher, Mathieu. 45%, t'arriveras pas à le tuer. T'es trop handicapé des cheveux. Non, ça va pas. On va l'attendre. Allez, barre-toi. Voilà, barre-toi, c'est bon. Si je me mets là, est-ce que j'ai une bonne vue? Yes! 45%. Le problème, c'est que si Brian loupe son coup, ce qui est tout à fait possible avec 45%, Brian est à portée de tir, il va se faire shooter au prochain tour. Et ça, c'est même pas envisageable. Voilà, je préfère le cacher. Perdre Brian, c'est suicide collectif, quoi, je veux dire. On peut pas, quoi. On peut pas perdre Brian, donc non, négatif. Alors, on va attendre qu'il bouge, il va bouger. C'était quoi? Eh mais c'est un petit malin parce qu'il nous attend, alors. C'est un petit malin. Moi je veux bien, mais bon, c'est un petit malin le mec. On va essayer de le prendre à revers. On va le prendre à revers. Donc là, on reste en vigilance. Il est hors de question qu'on bouge de toute façon. C'est lui qui doit bouger. Et toi, Brian, t'as tellement pas de points de vie, quoi. Je suis pas du tout rassuré. Allez, bouge. Bouge. Ah, il veut pas bouger son gros cul. On va être obligé de le prendre à revers. Bon, on y va. Yes, tu l'as vu. Tu l'as vu et lui t'as pas vu. 34%. C'est ridicule. 34%, j'y arriverai pas. On sait où il est, mais c'est pas pour autant qu'on va y arriver, quoi. Allez. Yes! Bien joué, ça. Ça fait plaisir. Ils essayent de se replier! Ouais, t'inquiète pas, on va...
On va l'en empêcher. Darkcraft. Bon allez, 34%, on y va. Oh, tu l'as loupé. Tu sais que tu mettais fin à la mission si tu l'as. Et Mathieu, ici tu vas te faire shooter, donc ça sert à rien. Ici, Mathieu, tu crois que tu pourrais l'avoir, Mathieu? Allez, Mathieu. Montre-moi de quoi tu es capable. S'il te plaît, Mathieu. S'il te plaît, 50%. S'il te plaît. Merci, Mathieu. Je l'ai plombé. Merci, Mathieu. Oh, Mathieu. Oh là là, tu t'es un peu racheté. J'avoue que là, pour le coup, tu t'es un peu racheté. Bon, il en reste encore? C'est pas possible. C'est quoi cette mission? Ah, ça traîne. Hein. Ça traîne. Bon, bah si ça traîne, on continue. Mathieu. Hop. Il va falloir descendre là-dedans. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça... Brian, c'est pareil, tu te mets ici. Oh là là, 4 points de vie, Brian, quoi. 4 points de vie. Je peux plus te faire passer devant, parce que 4 points de vie, c'est pas assez. Ok, on va descendre au prochain tour. Et toi, tu recharges. On part à l'attaque. Merci. Toi. Toi, tu te mets là. Et voilà. Et tu bouges plus. Allez, les gars. En l'honneur de Yopman. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est là. Ça traîne. Il y a quelque chose là-bas. Ouais, ça traîne. Ça traîne, c'est évident que ça traîne. Mathieu, avec tes 2 points de vie, tu sais quoi? Il va falloir que tu passes devant. Je suis désolé, mais là... Contact ou pas? Pas de contact. Brian. Oh Brian, j'aime pas te faire passer devant Brian. Je peux pas te faire passer devant Brian, t'as plus de points de vie quoi. Ce serait catastrophique. Toujours pas de contact, on reste en vigilance. Bon bah Brian, tu peux rester derrière maintenant. Allez, mets-toi là. Et il reste Darkcraft. Darkcraft, c'est pareil, on va te faire avancer, mais genre... Genre tout doucement. Yes! Oh là là, qu'est-ce que c'est tendu? On continue. Ça sent le contact. Ah, il y a une porte. J'avais pas fait gaffe. Il y a une porte, les gars. C'est stupide. Il y a une porte. On risque rien. On va s'avancer. Et oui, il y a une porte. J'avais pas vu. Donc c'est bon. C'est derrière cette porte, en fait, que se cache le... Hop, Mathieu, tu vas te mettre là. On risque rien, il y a une porte. J'avais pas fait gaffe. Putain, c'est pas vrai. Brian. Tu vas te mettre ici, Brian. Non, plutôt ici. Yes. Pas que tu passes devant Brian parce que t'as plus de points de vie et voilà, bah, tu sais très bien que c'est pas possible de te perdre. Hop, voilà, mets-toi là. Ok, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est derrière. Chut, vous n'avez rien entendu. Bon, la question. Ouais, derrière, oh là là, c'est assez grand en plus derrière, regardez ça, il y a encore plein de trucs. Tous plutôt bien positionnés. Bon, qu'est-ce que je fais? Je suis cruel avec vous ou pas? Je pense que je vais être cruel. Je vais me venger un peu parce que je pense que 80% d'entre vous apprécient ce let's play et vous m'encouragez et je vous remercie d'ailleurs, c'est très sympa. 20% des commentaires sont assez désagréables et critiques envers moi. Je rappelle que c'est un jeu vidéo et que je suis là pour m'amuser. Effectivement, ma stratégie ne fonctionne pas tout le temps. Mais je vais me venger pour ces 20 personnes qui me critiquent. Je vais arrêter là l'épisode pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, eh ben voilà, on ouvre la porte hein, dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on voit un peu ce qui se cache derrière. Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière. J'imagine qu'il y a encore pas mal de Goliath. Je pense même qu'il va y avoir un chef de base qu'il va falloir que j'essaye de capturer vivant. Et évidemment c'est cruel, mais rassurez-vous, l'épisode arrive très très prochainement, dans 3-4 jours environ. Et puis voilà, on découvrira tous ensemble ce que se cache derrière cette porte. Allez, à la prochaine, salut à tous.